être nettoyées. Les équipes ont été au boulot. Et qu'est-ce qu'on a pu faire? On a pu faire le marathon, qui arrivait 3 jours après, une ville qui était... Bon, donc il y a une résilience. Il faut du dialogue. J'espère que les Jeux vont nous permettre aussi d'avoir beaucoup de dialogue et de mettre en avant le fait qu'un événement comme celui-là ne se fait pas non plus au détriment des grandes conquêtes sociales et au détriment de ce qu'est notre histoire, c'est-à-dire une ville quand même qui a connu toutes les grandes révolutions françaises. Elles sont parties de là. Donc, c'est pas qu'on fait avec, on en est presque un peu fiers. Thomas Joly, je le disais, vous êtes metteur en scène, directeur des cérémonies de ces Jeux Olympiques. C'est à vous que revient l'honneur et aussi peut-être la pression d'organiser cette cérémonie d'ouverture du 26 juillet. On rappelle que c'est la première du genre qui sera organisée hors d'un stade, sur la scène, donc qui est derrière nous, là, ce décor magnifique de la scène. Dites-nous comment ça va se passer. Ça va être au coucher du soleil, c'est ça? On va attendre que le jour décline pour lancer cette cérémonie? Oui, on va faire une fête, une grande fête au cœur de Paris, vous l'avez dit. Ce qui va se passer, c'est que la cérémonie va prendre place donc, sur 6 km entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. La cérémonie, le dernier tableau aura lieu au Trocadéro. Et la très belle idée, c'est que tous les athlètes du monde entier vont entrer dans Paris en bateau depuis le pont d'Austerlitz et traverser comme ça la ville. Pas seulement la ville, aussi son histoire, on l'a rappelé, parce que la Seine est jalonnée comme ça de différents monuments, de plein d'endroits qui racontent et la grande histoire de Paris et de la France, mais aussi les petites histoires. Et c'est avec toute cette matière incroyable, ce décor, on parlait de Paris comme vitrine, moi c'est plutôt mon décor en réalité, et le décor de la cérémonie d'ouverture. Où en êtes-vous, vous, de l'élaboration de cette cérémonie? Elle est prête dans votre tête? Elle est prête, il reste plus dans ma tête, exactement. On n'en saura rien, j'imagine, puisque c'est le secret le mieux gardé de France. Alors, on travaille depuis le mois de décembre avec plusieurs auteurs et autrices sur le récit, parce que on parle là de l'entrée des athlètes. Je pense que c'est un grand moment qui doit être porteur de sens aussi. Ce sera spectaculaire, mais c'est, comme on le rappelait là, un moment où le monde est parsemé de troubles et où on peut certainement œuvrer à envoyer des messages forts. Et Paris est un message fort sur la place mondiale, une ville qui, avec son histoire, parle d'une vision plurielle de vivre ensemble, une conception même plurielle de vivre ensemble. Ici, toutes les cultures se rencontrent, toutes les langues se parlent. C'est une ville qui, à mon avis, est porteuse de sens pour ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, avec des auteurs et des autrices, on a travaillé sur ce récit qui est établi. Et donc, on entre dans la phase de réalisation. Vous savez, c'est comme tout projet artistique. Il y a une idée et après, il faut la transcrire dans la réalité. Et il y a des répétitions. On entendra tout à l'heure la dernière répétition qui a eu lieu il y a quelques jours. Yann Krasinski, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute ces paroles d'habitants de Seine-Saint-Denis, puisque le département sera aussi central dans ce dispositif des Jeux Olympiques. Comment aborde-t-il ce rendez-vous des JO à un an de l'échéance? C'est Aram Beng qui leur a posé la question. On va être heureux au moment où ça va se passer, mais il y a beaucoup d'appréhension. Des appréhensions qu'il y ait des manifestants qui cassent tout, qui cassent les vitrines, beaucoup de choses. De mon côté, il y a beaucoup d'attentes et aussi des craintes. En ce moment, il y a beaucoup de travaux, de la volonté de laisser un héritage pour la Seine-Saint-Denis et donc de Saint-Denis de ces Jeux Olympiques. Donc c'est aussi une source d'espoir. Donc j'espère vraiment que ce sera le cas, que ce soit de logements, que ce soit des équipements. Donc par exemple, au niveau de la piscine, je crois qu'il y a le centre aquatique qui est prévu ici. Donc j'espère que ça permettra par exemple aux enfants d'apprendre plus tôt à nager. Après, je ne vous cache pas que personnellement, j'ai des craintes que ces Jeux Olympiques soient une vitrine pour le pays, pour beaucoup d'habitants, et que par contre, les premiers concernés qui seront aux portes des événements ne puissent pas y participer. Alors Yann Krasinski, on entend cette crainte effectivement que les habitants eux-mêmes soient laissés à l'écart de la grande fête olympique. Quel sera l'héritage des JO pour ces habitants de la Seine-Saint-Denis? Donc la Solideo, c'est avant tout des projets d'héritage. Donc pour nous, les Jeux, c'est un événement fondamental, magnifique, mais c'est aussi et surtout une excellente excuse pour laisser un héritage durable. Le village des athlètes, qui est peut-être le plus gros objet que l'on construit, accueillera 14 500 athlètes pendant les Jeux, 9 500 para-athlètes pendant les Jeux paralympiques, et ensuite c'est 3 000 logements que l'on laisse au territoire. Et c'est un territoire qui a besoin d'énormément de logements, et au-delà des logements, on construit de très beaux espaces publics, on construit 6 hectares d'espaces publics, on plante 9 000 arbres, on végétalise tout ce territoire,
qui en fait était une friche industrielle avant qu'on y arrive. Et donc les Jeux pour nous, c'est une chance incroyable d'accélérer le développement du territoire. Donc quand j'entends effectivement les habitants qui se réjouissent mais qui sont un peu inquiets, je les comprends en fait. Ils sont inquiets parce que c'est un bouleversement du territoire, mais ils sont aussi heureux et on l'est parce que ça va être un bouleversement positif. Un bouleversement du territoire et une crainte qui a été rapidement évoquée là aussi, que ce territoire de la Seine-Saint-Denis tout d'un coup se retrouve avec des prix qui ne seraient plus abordables pour ceux qui l'habitent. Alors, on a travaillé de concert avec les maires, notamment de Saint-Denis, de Saint-Ouen, de l'île Saint-Denis, qui sont concernés par le village des athlètes, et les maires de Duny et du Bourget pour le village des médias. Et on est dans on souhaite une mixité des bâtiments que l'on construit. Mmh. Et donc, il y a un travail très fin qui est réalisé avec ceux qui connaissent mieux le territoire, qui sont les maires, pour être certain que ce quartier soit un quartier d'accueil pour l'ensemble des habitants. Et par ailleurs, la Solideo est très présente sur le terrain. On rencontre régulièrement les associations de quartier et on est à l'écoute de leurs inquiétudes. Actuellement, on fait des sondages régulièrement pour voir quelle est l'acceptabilité du projet. On est à plus de 70% de réponses positives sur l'héritage que l'on laissera sur ce territoire. Anne Hidalgo, la crainte d'un renchérissement, elle est là aussi pour l'accueil, pour l'hôtellerie, pour tout ce qui va être logement privés qui seront mis à disposition des visiteurs des Jeux. C'est une réalité, c'est même, oui, plus qu'une crainte là. Oui, mais par exemple, et ce que vient de dire Yann, le projet qu'on a conçu avec les maires, avec les élus de la Seine-Saint-Denis, c'est par exemple ici 50% de logements à des prix abordables, c'est-à-dire du logement social, du logement intermédiaire, du logement aidé. Notre idée, c'est de faire vraiment des Jeux inclusifs. Bien sûr que le fait d'avoir des villes très attractives, un événement comme les Jeux Olympiques et Paralympiques, des bâtiments d'une qualité exceptionnelle, y compris sur le plan écologique, tout cela valorise. Et il y a effectivement un patrimoine privé qui va se trouver beaucoup plus valorisé qu'aujourd'hui. Mais ce que nous faisons, c'est vraiment de laisser cet héritage écologique, héritage social, et d'essayer de réguler aussi, de faire des Jeux inclusifs, y compris dans la participation aux Jeux. Je le dis parce que ça sera quand même, et la cérémonie d'ouverture, la première cérémonie hors stade où nous aurons, rappelez-vous ce chiffre, plusieurs centaines de milliers de, oui, personnes qui assisteront gratuitement à un événement comme celui-là. Est-ce que la jauge est établie d'ailleurs ? On dit 100 000 personnes sur les berges, oui, de la Seine, cette jauge et plusieurs centaines de milliers, oui, sur les quais. On sait combien ? Écoutez, de toute façon, pour nous, il s'agit de mettre le maximum de personnes dans un confort de spectateurs et de sécurité. Donc c'est plusieurs centaines de milliers. Quand on a eu récemment le 14 juillet les festivités, c'était plusieurs millions de personnes qui étaient regroupées et ça s'est très très bien passé. La nuit blanche que nous avons faite le 5 juin, c'était 3 millions de personnes sur les bords de Seine. Donc Paris a l'habitude aussi de ces grands événements, mais là vraiment de pouvoir participer gratuitement à cela. Et puis il y aura aussi des billets qui vont être donnés. Venir tout à l'heure sur la question des populations qui ne peuvent pas s'acheter ces billets aujourd'hui. Yann Krasinski, rapidement pour faire le tour des chantiers, on a parlé du village olympique, le village des médias. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de significatif ? Donc on construit, vite, bien sûr, très vite. Donc on construit un centre aquatique olympique, donc la future grande piscine des Jeux olympiques. On construit l'aréna à Porte de la Chapelle. On construit un certain nombre d'autres ouvrages, mais en fait finalement on construit peu comparé aux autres Olympiades. On a un budget qui est à peu près la moitié du budget de Londres, et c'est parce qu'on souhaite réemployer un maximum d'ouvrages. Et ça me permet de reboucler sur une ambition qui est tout en haut de nos enjeux, à côté de la santé, de la sécurité, qui est l'ambition environnementale. Et en fait, en construisant moins, on produit moins de carbone, et je pense qu'on laissera l'héritage d'une perception de la rénovation. Oui, il y a la promesse, en tout cas l'ambition de diviser par deux les émissions
de carbone par rapport aux précédentes éditions. On verra, on verra à l'arrivée. 100% des infrastructures à construire, donc tout le reste existe déjà. Thomas Joly, je reviens vers vous à propos de cette cérémonie d'ouverture. Elle fait rêver, on l'a compris, c'est l'objectif. On veut qu'elle soit populaire, on veut qu'elle rassemble beaucoup de monde. Est-ce que son ampleur n'est pas un peu effrayante quand on est comme vous, un homme de théâtre qui a l'habitude d'une scène avec un plancher, un décor ? Honnêtement, la mesure, elle est nouvelle pour moi. Je n'ai jamais fait un aussi grand spectacle puisqu'il s'agit du plus grand spectacle du monde. Donc, il n'arrive qu'une fois tous les 100 ans à Paris. Et donc, cette année, c'est sur vous que c'est tombé. Année, c'est mon tour. Donc, je ne vais pas vous mentir, je n'ai jamais fait un spectacle de cette ampleur. Mais en réalité, les contraintes qui sont les miennes sont exactement les mêmes que des contraintes dans un plus petit théâtre ou à l'Opéra Bastille où j'étais récemment, par exemple. Alors, on va écouter justement ces premières répétitions qui ont eu lieu il y a quelques jours, auxquelles RFI a assisté sur la scène, un exercice qui a permis de tester le dispositif et la sécurité. C'est un reportage de Baptiste Coulon et Léo Bernard à suivre également en images. Paris se réveille à peine quand les 39 bateaux débutent la répétition en toute discrétion. Aucune communication pour cet événement. Tous les passants ignorent qu'ils assistent à un avant-goût des Jeux Olympiques. Tous, sauf Martine, bien installée en bord de scène. C'est à la radio qu'on a entendu qu'il y avait une répétition pour les Jeux Olympiques le long de la Seine. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue notre périple ? Ou est-ce qu'on fait demi-tour, on prend les vélos et on va au bord de la Seine pour voir ce spectacle ? Ce spectacle, ou plutôt ce test technique, un premier exercice grandeur nature réussi selon Tony Estanguet, président du comité d'organisation. Deux passages ont été faits, ce qui nous a permis déjà de prendre beaucoup d'informations. La priorité pour nous, c'était vraiment de clarifier les vitesses de navigation, les temps de passage, les espacements entre les bateaux. Pour l'instant, encore une fois, les premiers retours sont très positifs, donc tous les indicateurs sont au vert. L'enjeu, c'est aussi la sécurité, avec notamment une nouvelle brigade, la Brave N, N pour nautique, des policiers sur un Zodiac, supervisé par Laurent Nouniez, préfet de police de Paris. Nous avons testé nos salles de commandement, et puis nous avons testé pendant la navigation, quelques exercices d'intervention par la brigade des sapeurs-pompiers, par les forces de sécurité, à bord des navires, pendant la parade, pour réaliser une intervention s'il y avait un problème de sécurité sur l'un des navires. D'autres répétitions auront lieu à partir de la rentrée de septembre. Alors effectivement, c'était une répétition en miniature de ce que sera la cérémonie d'ouverture des JO. Thomas Joly, l'un des écueils, c'est d'arriver à ce que tous ces bateaux, tous ces nombreux bateaux qui transporteront les athlètes arrivent à faire demi-tour sans se bousculer. Ça va être une scénographie à régler au millimètre. Ça n'a l'air de rien en réalité. On va voir passer 91 bateaux les uns derrière les autres. Mais en réalité, ça demande énormément de travail, de coordination entre beaucoup d'équipes. Et c'est important parce que ce défilé des athlètes, d'abord c'est pour les mettre en valeur évidemment parce que ce sont les vrais héros et héroïnes de ces jeux, mais c'est parce que c'est notre unité de mesure à tous et à toutes concernant l'artistique, mais aussi la sécurité, l'organisation, la télédiffusion, etc. etc. Donc c'est vraiment notre base commune. Ce qu'on a pu constater au cours de ce test, c'est qu'on le maîtrise en réalité. Il y a eu quelques couacs. En miniature, ça marche. C'était pas en miniature, c'était grandeur nature dans Paris. C'était grandeur sur les 6 km, mais avec moins de monde. Avec une quarantaine de bateaux, et alors qu'ils seront 80, une centaine le jour même. Et évidemment, pour l'instant, des bateaux vides et pas d'artistique autour, évidemment. Dans ma tête, moi, je voyais tout, mais il n'y avait rien de visible pour le moment. Vous étiez le seul à le voir. Exactement. Et donc, par rapport à tout ça, moi, ce que je trouve très joli, et quand on l'entend là dans ce reportage, c'est que, en fait, Paris 2024 innove à beaucoup d'endroits. Personne n'a jamais fait ça. Il n'y a pas de précédent, il n'y a pas de modèle. Et ce qui est très passionnant dans tout ce que nous traversons, et je pense qu'on sera tous d'accord ici autour de cette table, c'est que non seulement il faut créer un spectacle, par exemple, mais il faut aussi créer les conditions de création de ce spectacle. Et en réalité, où est-ce qu'on répète ? Où est-ce qu'on répète ? On ne peut pas répéter sur la scène tous les jours. On répétera dans de très grands hangars qui nous permettront d'abord de répéter in situ, en intérieur des éléments du spectacle. Et puis pour les éléments, on va dire plus aquatiques, on trouvera certainement un endroit quelque part en France où il y a d'autres fleuves qui coulent, et pour ne pas dévoiler le spectacle avant On va rester en alerte alors pour voir où est-ce que ça peut se passer. Merci Thomas Joly d'avoir participé à cette première partie d'émission. Merci à vous également Yann Krasinski, Anne Hidalgo. Vous restez avec nous. On va se retrouver pour la deuxième partie de cette édition spéciale en direct sur la scène, un an avant les Jeux Olympiques de Paris. Après le point sur l'actualité, on évoquera peut-être les sujets qui fâchent un peu plus: la sécurité, le budget. Tout cela donc jusqu'à 9h sur RFI. Restez avec nous.
Il est 8h35 à l'écoute d'RFI, le prochain journal. À 9h, 365 jours nous séparent des Jeux Olympiques de Paris. RFI Matin en édition spéciale. Édition spéciale, un an avant Paris 2024. Nathalie Amar. C'est vraiment l'occasion d'une vie. J'ai grandi en regardant les Jeux et de pouvoir potentiellement les voir à Paris, c'est une bonne raison d'y aller. Cette ville est merveilleuse. Paris me rappelle de très bons souvenirs. Je suis certaine que je rencontrerai des gens venus de tous les continents et ça, ça n'a vraiment pas de prix. Le vol, les tickets d'entrée, tout cela est cher. Nous prévoyons un budget de 6500 euros par personne. Et oui, ça coûte cher d'assister à ces Jeux Olympiques, faire le voyage de New York, Santiago du Chili, où était cette future volontaire des JO, ou encore New Delhi. Tout cela pour être au plus près des athlètes et de la compétition. 13 millions de spectateurs attendus, on le disait. D'ici 9h sur notre plateau, au fil de l'eau, et qui tangue un peu d'ailleurs au moment où je vous parle. On évoque le coût, mais aussi le défi de la sécurité pour un tel événement. Vous nous suivez à la radio et en live sur RFI.fr ou sur les réseaux sociaux. Anne Hidalgo, la maire de Paris, est restée avec nous. Deux invités nous ont rejoints. Pierre Rondeau, bonjour. Bonjour. Professeur d'économie à la Sports Management School, co-directeur de l'Observatoire Sport et Société à la Fondation Jean Jaurès. Et Pierre Brageux, président de la Fédération française de la sécurité privée. Bonjour à vous. RFI en édition spéciale jusqu'à 10h. Oui, la sécurité, énorme défi, on va y venir. Mais d'abord, Anne Hidalgo, un mot peut-être des transports. Ce n'est un secret pour personne et encore moins pour les Parisiens. Hors JO, il y a des problèmes sur les lignes de métro, sur les lignes de bus, de RER, la RATP, la Régie des transports peine à recruter. Comment va-t-on prendre en charge dans un an ce public des JO? La ministre disait l'objectif, c'est que tout le monde vienne en transport en commun. Ça va être vraiment possible? La question des transports est une question en plein été, récurrente en Île-de-France. Elle relève de la compétence de la région, hein, permettez-moi de le dire, mais bien sûr, je vais vous en parler. Il faut qu'on rehausse et qu'on arrive quasiment à 100% du turnover des trains, des métros, ce qui n'est pas encore le cas. Hein. Après le Covid, il n'a pas été rétabli le trafic à 100%. C'est le challenge sur lequel travaille beaucoup Jean Castex, président de la RATP. D'ailleurs, je l'ai soutenu, j'ai apporté mon concours lorsque il nous a aussi alerté sur la nécessité de retarder la mise en concurrence des transports, notamment du réseau de bus en Île-de-France. Donc c'est un gros dossier. Il peinait à recruter. Donc moi, j'ai confiance dans ce qu'il est en train de faire. Il a rétabli aussi un dialogue social très important au sein de cette grande maison qu'est la RATP. Il y a encore plein de problèmes à régler, des problèmes de moyens, des problèmes de rémunération des agents, mais on sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous parce que, d'abord, pourquoi on a pu organiser les Jeux aussi à Paris? Parce que nous avons le réseau de transport le plus dense du monde, d'ores et déjà. Il doit être amélioré, et c'est un des enjeux, et ce sera un héritage de ces Jeux, mais nous avons déjà ce réseau de transport public très très important, et puis il y aura aussi les vélos. Hein. L'enjeu des transports, donc ça fait partie des gros dossiers à résoudre. D'ici un an, il y a aussi celui de la sécurité, on évoquait tout à l'heure la cérémonie sur la Seine, il y aura aussi la question de l'accès au stade, aux piscines, aux différents sites de compétition. Écoutez ce qu'en dit le président du comité d'organisation de ces JO, Tony Estanguet. On sait que la priorité, c'est la sécurité. Tout le reste n'aura pas de valeur si on n'est pas au rendez-vous de la sécurité. Et aujourd'hui, là aussi, je pense qu'il faut se féliciter de l'implication de tous ces acteurs qui n'ont qu'une envie, c'est que ça se passe bien, qui ont une vraie expertise. Le dispositif de sécurité sera sans précédent. Je pense que ce sera l'endroit sur la planète où on sera en totale sécurité. Ce sera pendant les Jeux de Paris 2024 ici. Et donc ça, c'est une vraie satisfaction aussi de pouvoir garantir aux athlètes et à tous les spectateurs qui viendront participer à ces Jeux des conditions de totale sécurité. Tony Estanguet, dont vous entendrez l'interview en intégrale à 13h30, heure de Paris sur RFI. Pierre Brageux, totale sécurité. Vous êtes d'accord avec le constat à un an du coup d'envoi? Le compte y est pour vous?
Écoutez, on y travaille tous, aussi bien le ministère de l'Intérieur que le COJOP, que la branche professionnelle. Dire qu'on y est, il est encore trop tôt pour le dire. On aura une estimation, à mon avis, un peu plus fine à l'automne pour savoir si on est en capacité. La vraie problématique, c'est est-ce qu'on sera capable d'avoir les effectifs, parce qu'il y a un vrai défi capacitaire, savoir si on est capable d'aligner les globalement 25 000 agents de sécurité privée qui seront nécessaires pour sécuriser les installations sportives. Parce que les compagnies peinent à recruter, c'est ça, en fait, le souci essentiel en ce moment. Absolument, pour vous donner simplement des chiffres extrêmement simples. Au moment où nous parlons, il y a environ 175 000 agents de sécurité privée en activité dans ce pays. La branche estime qu'il nous en manque, au moment où nous parlons, 20 000 pour fonctionner en rythme de croisière. Et pendant la période des Jeux, il faudra passer à plus 25 000. Donc vous voyez la largeur du fossé qui nous sépare de l'objectif. Avec notamment le défi de cette cérémonie qui sera très ouverte, on l'a dit, et c'est le but, hein, c'est qu'elle soit ouverte au public. C'est encore plus compliqué à sécuriser. Alors, la cérémonie d'ouverture, effectivement, en termes de sécurité, est un vrai défi. Pourquoi ? Parce que nous allons accueillir à peu près 100 000 personnes sur les kebabs, qui sont des entrées payantes, et donc avec un accueil, un contrôle d'accès, une sécurisation de la zone, et 400 à 500 000 personnes sur les quais hauts. Donc, c'est un vrai enjeu, et on estime, pour l'instant, ça n'est qu'une estimation, qu'il faudra à peu près 2 000 agents de sécurité pour sécuriser cette zone. C'est un vrai défi. Pourquoi ? Parce que sécuriser une zone de 6 km de long, de part et d'autre de la Seine, qui est un obstacle naturel incontournable, c'est vraiment un défi en termes de sécurité. Donc il faudra les compagnies de sécurité, il faudra évidemment les forces de police, l'armée peut-être, c'est une hypothèse, Anne Hidalgo ? Elle a toujours été présente dans la sécurisation de tous les Jeux Olympiques partout dans le monde, donc c'est pas une anomalie, c'est une évidence. Est-ce qu'on a progressé depuis ce qui s'était passé au Stade de France pour la finale de la Ligue des Champions, hein ? On se souvient que les forces de l'ordre n'avaient pas réussi à ce moment-là à canaliser la foule, qu'on avait pris des supporters lambda pour des hooligans. Enfin, il y avait eu aussi, je crois, un défaut de renseignement. Est-ce qu'on a progressé depuis ? Est-ce qu'on a tiré les leçons de cet épisode ? Oui, et d'ailleurs, le nouveau préfet de police, c'est une des leçons tirées de cet épisode. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir Laurent Nunez, préfet de police de Paris, qui travaille en coopération avec toutes les autorités. Ce qui a manqué au Stade de France, a été dit dans les différents rapports, c'est qu'il n'y a pas eu de coopération. Voilà, une vision très verticale des choses, très centrée sur l'autorité de la préfecture de police, sans vraiment être dans le partage avec les autres. Aujourd'hui, tout ça a vraiment changé. Moi, je me réjouis. Le ministre de l'Intérieur est en charge de la sécurité des Jeux. On y travaille de façon extrêmement étroite, régulière. Tout le monde a conscience qu'on réussit ensemble ou on échoue ensemble, et que pour que la fête soit belle, il faut que les gens se sentent en sécurité. Il y a effectivement le défi du recrutement dans la sécurité privée, mais il y aura, enfin voilà, je pense qu'aussi pour notre pays, c'est une façon de rehausser cette question de la protection, de la sécurité et en même temps de la garantie de la fête pour un nombre très très important de personnes. On va apprendre beaucoup de choses, ça va être une expérience, et là aussi il y aura un héritage de cette expérience sur la sécurité dans notre pays. RFI Matin, émission spéciale un an avant les Jeux Olympiques de Paris. Édition spéciale d'RFI Matin jusqu'à 10h et la parole est à Yanis, 25 ans, il habite Saint-Denis, la ville la plus peuplée d'Île-de-France, l'une des plus pauvres aussi. Saint-Denis, où auront lieu une partie des épreuves, on l'a dit. Et à un an de l'échéance, il a encore beaucoup de questions sans réponse. L'organisation des Jeux, c'est censé coûter 6 milliards, aujourd'hui il parle plus de 9,8 milliards, je crois. Et on se pose la question si dans nos territoires où il y a eu des soulèvements très récemment, parce que justement il y a une absence des services publics, est-ce que cet argent il n'aurait pas été mieux dans l'éducation nationale ? Est-ce que cet argent il n'aurait pas été mieux dans nos hôpitaux ? On attend 10 heures pour être pris en charge dans un service d'urgence. Sur la question du logement, effectivement, il y a vraiment beaucoup de besoins de logement, dans la mesure où, et notamment d'hébergement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. Il manque 10 000 places en hébergement d'urgence sur le territoire pour faire en sorte que chacun et chacune puisse dormir sous un toit. Par contre, les logements qui vont être créés suite au JO, on se pose la question, est-ce que en fait, les habitants de Seine-Saint-Denis pourront vraiment en bénéficier, ou est-ce que ça sera à des tarifs qui seront déraisonnables et qui vont amener des nouvelles populations sur nos territoires et qui vont amener aussi l'augmentation
l'augmentation des prix, l'augmentation des loyers. En tout cas, on attend des réponses. Là, c'est dans un an et donc du coup, on les attend de plus en plus vite. Voilà, Pierre Rondeau, le coût des JO parmi les préoccupations de Yannis, c'est évidemment une question classique. Hein, et le coût comparé aussi aux besoins sociaux dans le territoire qui accueille une telle compétition. D'abord, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui combien vont coûter ces JO 2024? Alors, en l'état actuel des choses, si j'associe conjointement le budget du COJOP et le budget de la Solidéo, on est entre 8 et 9 milliards d'euros. On sera à 8,8. Donc on a dépassé le budget initial. On l'a dépassé le budget initial, mais... annoncé lors de la candidature. Voilà, exactement. Il y a une précision à apporter par rapport à la question de l'auditeur. Il parle d'argent et il demanderait à ceux... Qui paye ? L'argent dépensé pour les JO pourrait être amené pour l'éducation nationale ou pour des services publics. Dans les 8,8 milliards, il y a effectivement l'apport public et l'apport privé. L'apport public, initialement, quand on était sur un budget de 6,7 milliards, quand on était sur un budget prévisionnel en 2017 au moment de la candidature, 6,7 milliards, il n'y avait que 1,5 milliard apporté par l'État, apporté par les finances publiques. Dans le PLF 2021, pour 2022, on a prévisionné 3 milliards en cas de dépassement, mais l'essentiel sur ces 8 milliards est tiré du privé, est tiré de la billetterie, est tiré des partenariats, est tiré des droits TV. Quand les Français disent « Ah, ça coûte 8 milliards alors que ça devait coûter 6 milliards » et ils s'attendent à ce que ça puisse atteindre les 10, 15, 20 comme on l'a eu pour les prétendues Olympiades. Peut-être pas 20 quand même, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Alors, pour donner un ordre d'idée, le taux moyen de dépassement entre le budget prévisionnel et le budget final, c'est 167%, en moyenne depuis 1968. Là, il a été dépassé. Effectivement, on était à 6,7 en 2017, on a 8,8 en 2023. Mais on est très très loin des 32 milliards de Pékin, des 21 milliards de Tokyo, des 12 milliards de Londres. On ira d'ailleurs à Tokyo et tout à l'heure si on en a le temps. Essentiellement l'argent public. 7 millions de billets déjà vendus, disait hier Tony Estanguet, donc la billetterie qui participe à ce financement donc de l'organisation des JO. Succès sans précédent, c'est vrai, c'est un succès exceptionnel pour vous, au regard des autres compétitions. Globalement, les Jeux Olympiques sont toujours un succès d'audience, sont toujours un succès populaire. En termes de billetterie, quel qu'il soit, à Pékin, Londres, Rio, Tokyo, à chaque fois les billets étaient vendus. Là, effectivement, il y a une polémique par rapport au prix des billets. Maintenant, si on regarde bien en détail, on est sur une moyenne comparable à ce qu'on avait à Londres en 2012. Certes, il y a des billets très élevés, à des prix très élevés, mais qui ont pour autant été vendus. Il y a eu des plaintes mais qui sont recevables, mais les billets ont été vendus. Donc ça reste un succès populaire et ça permet effectivement d'assurer l'équilibre budgétaire du COJOP, de financer ces jeux qui sont finalement autogérés, autofinancés, puisque le COJOP n'a que très peu de manne publique, c'est essentiellement des fonds privés, y compris la billetterie. Mais oui, voilà, payer 200, 300, 400 euros, je peux comprendre que ça puisse choquer pour des compétitions de l'haltérophile ou d'escalade. Anne Hidalgo, rapidement sur cette question du budget et ensuite une question sur le mal-logement qui a également Bien été sûr. Évoqué par Yannis. Peut-être sur ce sujet, 50% des billets à moins de 50 euros. C'est quand même une grande première aussi pour des Jeux olympiques et paralympiques, même si, effectivement, il y a des billets très, très chers. La deuxième chose, c'est que l'argent public est allé sur des choses qui vont rester en héritage. Le logement, ça a été dit tout à l'heure, la création de logements et notamment de logements sociaux, des équipements publics, le plan de la Seine-Saint-Denis pour nager, puisque c'est un département dans lequel le taux d'enfants sachant nager était très, très faible. Donc, les piscines vont être un héritage absolument impressionnant. Et derrière, on investit pour l'avenir, c'est ce que vous nous dites. C'est de l'éducation, c'est du sport, c'est du service public. L'essentiel de l'investissement public est allé à cela et est allé aussi la transition écologique. Je pense par exemple à l'investissement très important qui a été fait sur nettoyer la Seine pour que la Seine redevienne baignable, pour que la Seine soit un élément majeur dans l'adaptation de nos villes, de notre territoire au changement climatique. Donc ça, c'est et important. On a résolu, à propos de la Seine, puisque c'est vrai que c'est une de vos promesses de grand héritage des JO, on a résolu la question technique de s'il pleut le jour d'une compétition et que la montée des eaux fait remonter des choses pas très désirables, des égouts parisiens. En grande partie, puisque nous avons construit un ouvrage qui est d'ailleurs situé près de la gare de Sterlitz, qui est dédié à cela. Et donc, on va pouvoir nager dans la Seine. Il y aura 3 bassins de baignade dans
dans la Seine, dans Paris, et environ 27 bassins de baignade après les Jeux sur l'Île-de-France. Mais vous avez raison, tout à l'heure, il a été évoqué la question du mal-logement. Pour moi, ça reste le challenge sur lequel on n'est pas encore prêt. Il faut vraiment être honnête là-dessus. Je ne peux pas me satisfaire de la petite musique consistant à dire Paris va vider ses rues de toutes les personnes parce qu'on a, voilà, pour rappeler à nos auditeurs le contexte, on a accusé un peu la ville, la puissance publique d'essayer d'invisibiliser les sans-abri dans la perspective de ces Jeux et de chercher un peu dans l'urgence des solutions de relogement. Oui, c'est très rapidement dit, mais ça n'est pas le cas parce que effectivement à Paris, nous ne sommes pas du tout dans l'invisibilisation puisque chaque année je fais une nuit de la solidarité pour justement identifier, visibiliser. On a plus de environ 3000 personnes qui sont aujourd'hui sans hébergement dans les rues de Paris. C'est très important aussi en Seine-Saint-Denis. Nous sommes les deux départements dans lesquels il y a le plus de sans domicile fixe. Et donc ça reste devant nous. J'ai posé d'ailleurs ce sujet devant le président de la République lors du comité olympique qu'il a réuni la semaine dernière en disant voilà, on a un an. Et je pense que vous attendez un soutien de l'État. D'abord, c'est de sa compétence, c'est de sa responsabilité. Les villes n'y arriveront pas toutes seules, hein, c'est impossible. On a besoin de cet engagement-là. Moi, je suis prête à Paris à faire encore plus. Paris est la ville de France qui a le plus grand nombre d'hébergements d'urgence aujourd'hui. Mais je suis prête à aller au-delà, si tant est que, évidemment, l'État accompagne, puisque c'est de sa responsabilité. Mais je pense vraiment qu'en un an, on peut poser les bases, là aussi, d'un héritage durable en ce qui concerne la prise en charge des personnes sans domicile fixe. On va y travailler, on y travaille. On le fera avec d'autres villes de France, évidemment, parce qu'on ne pourra pas assumer tout seul. Alors, on va parler justement à propos d'héritage, des retombées économiques pour les territoires qui accueillent ces JO. Des centaines de millions d'euros de contrats ont été attribués. 1 € sur 6 versé à des entreprises donc de ce département de Seine-Saint-Denis, limitrophe de la capitale. Écoutez ce reportage d'Alexis Bédu. On est à Aubervilliers, au nord de Paris, dans notre usine pilote, notre première usine. Les supporters de la piscine olympique et de la nouvelle Arena Porte de la Chapelle en profiteront bientôt. 11 000 sièges de gradins en plastique recyclés sont fabriqués ici par Le Pavé. Luca Filippono en est le responsable des partenariats. Il y a vraiment un avant et un après commande pour les Jeux Olympiques. Et en fait, le avant, il est peut-être il y a 3 ans quand on est venu nous voir, qu'on était encore tout petit et qu'on nous a demandé si ça nous tentait de faire ce projet-là. C'est surtout ce qui nous a accompagnés. Quand il a fallu vendre du projet, bah oui, on nous a fait confiance. Donc vous pouvez y aller, on a la force industrielle, on a les capacités pour faire vos projets. C'était vraiment un marqueur de confiance. Partie à 5, l'équipe du Pavé s'est étoffée. Ils sont désormais 30 et la renommée des JO a fait exploser le carnet de commandes, ce qui leur permet d'ouvrir une deuxième usine de production. Du Pavé d'Aubervilliers à celui de Montmartre. Bonjour, bienvenue chez Médaille d'Or, la première épicerie de produits uniquement médaillés. Une épicerie très bien positionnée en vue des JO, son gérant Maxime Duchesne l'a découvert en début de mois. Et bien on a vu effectivement que le parcours cycliste allait passer plusieurs fois devant notre magasin. C'est une vraie chance de pouvoir être représenté sur cette épreuve cycliste et puis par un événement qui est vu dans le monde entier. Nous, en termes d'image, ça va être très sympa de pouvoir communiquer dessus sur le fait qu'on propose que des produits médaillés de vraie qualité. Avec le tourisme, l'organisation de l'événement et la construction, 5 à 11 milliards d'euros sont attendus pour l'économie française. L'économiste Jean-Pascal Gaillan a lui chiffré ses retombées à 5,3 milliards d'euros précisément. Un reportage donc d'Alexis Bédu. Pierre Rondeau, deux questions rapides. D'abord sur cette balance investissement-bénéfice. Classiquement, qu'est-ce qui se passe après des JO ? Qu'est-ce qu'on constate ? Il y a des retombées économiques, effectivement. Mais si on se place sur la vision très court-termiste de dire combien ça a coûté, combien ça va rapporter à court terme, il faut tout de suite se rendre à l'évidence. Ça va coûter de l'argent plus que ça va rapporter à court terme. On parlait des estimations, c'était donné par le CDES, entre 5 et 10 milliards. C'est en fonction d'un choix de scénario en termes de multiplicateur. Et justement, vous aviez cité l'économiste Jean-Baptiste Gaillan, pardon. Les 5,3 me paraissent crédibles, puisqu'on est sur un multiplicateur faible. Et c'est ce qui arrive à chaque fois, à chaque Olympiade. On serait effectivement sur des retombées de 5 milliards. Et on nous dit que ça a coûté 8 milliards, donc ça sera à perte. Donc
le court-termisme, effectivement, n'est pas à regarder. Ce qui est plus intéressant, et ça a été dit durant cette émission, c'est l'héritage sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années. Mais au mois d'août 2024, il ne faut pas s'attendre à ce que la croissance française explose et que le chômage baisse. Il y a une question quand même très rapide, sans faire dans le court-termisme. Le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a une question sur si la note finale des JO est plus salée que prévu, qui payera ? Il dit évidemment le contribuable. Vous confirmez également. L'État a déjà... On veut bien investir, mais il y aura un effet sur la feuille d'impôt ? Oui, enfin non. Alors pour autant, actuellement, en l'état actuel des choses, l'État a prévisionné 3 milliards d'euros. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, si on atteint un budget de 10 milliards, on n'y est pas encore, mais si on atteint 10 milliards, il n'y aura aucune levée d'impôt, aucune levée de dette, puisqu'il y a aujourd'hui 3 milliards déposés. Si on atteint les 11, 12, 13, ce qui n'arrivera pas, mais si on dépasse les 10, oui, il y aura, mais c'est dans un an, on est à 8. Si en un an, on va faire exploser le budget à 12, 13, 14, ça me paraît assez improbable. Il n'y aura donc pas de levée d'impôts pour les Jeux Olympiques 2024. Très rapidement. Très rapidement. Parce que, par exemple, sur la Solideo, qui est essentiellement financée par du budget public, il y a des provisions qui sont faites. Il reste encore quelques dizaines de millions d'euros de provisions qui ne seront pas dépassées. On est dans les clous. D'accord. Bien sûr, l'inflation est venue augmenter la facture, mais pas la facture telle qu'elle avait été initialement prévue. Ah, sur les 8 milliards que vous identifiez tout à l'heure, 4 milliards, c'est la Solideo, on a 1,7% d'augmentation du budget à date. Ce qui est peut-être toujours trop, mais ce qui est extrêmement faible. Donc vous nous dites, on entre dans les clous et pas d'inquiétude à se faire dans l'immédiat, en tout cas pour les feuilles d'impôt des Français et des contribuables. Je vous propose un détour par Tokyo, puisque c'est là qu'ont eu lieu les derniers Jeux Olympiques d'été. Bonjour Bruno Duval. Bonjour Nathalie et bonjour à toutes et tous. En ligne de la capitale japonaise où on suit avec attention les préparatifs de ces Jeux de Paris. Et chez vous Bruno, une question revient en boucle. Donneront-ils lieu aux mêmes dérives que Tokyo il y a 2 ans, dérives financières en l'occurrence ? Oui, parce que ces Jeux de Tokyo ont coûté les yeux de la tête, une douzaine de milliards d'euros, soit près du double de leur budget initial. Et les contribuables japonais n'ont pas fini de payer pour ces Jeux, puisque 5 des 6 infrastructures sportives qui ont été construites à grands frais pour l'événement s'avèrent déficitaires, et lourdement, à hauteur de plusieurs milliards de yens par an, donc de dizaines de millions d'euros. À quoi doit-on ce déficit, Bruno ? Ces installations ayant coûté très cher, les tarifs de location facturés aux organisateurs d'événements sont prohibitifs. Ils ne se bousculent donc pas. En plus, certaines sont très excentrées dans cette capitale immense et sont mal desservies par les transports en commun. Ce n'est pas attractif pour le grand public. Bref, la plupart du temps, ces infrastructures sont vides, inutilisées. Alors ça laisse évidemment les Tokyoïtes amers, comme on va l'entendre dans la bouche de ces deux habitants que vous avez interrogés. Ces Jeux ont donné lieu à des gaspillages éhontés. Par exemple, la Cour des comptes a montré que 300 000 plateaux repas préparés avaient fini à la poubelle faute d'avoir trouvé preneur. Un tel gaspillage alimentaire, alors que des Japonais ne mangent pas à leur faim, c'est insupportable. On a dépensé sans compter, et certains s'en sont mis plein les poches. Une 20aine de personnes sont poursuivies pour des faits de corruption ou de favoritisme. Ces Jeux ont été tous sauf exemplaires en termes d'éthique. Effectivement, Bruno, plus d'1 million d'euros de pots de vin versés, des appels d'offres truqués. Les Japonais sont si remontés aujourd'hui qu'ils ne veulent plus que leur pays organise les JO 2020. Alors que la ville de Sapporo faisait figure de grande favorite. Mais les sondages sont si hostiles à sa candidature qu'elle va probablement la retirer et viser plutôt les Jeux de 2034. Le temps que les scandales financiers et judiciaires relatifs aux Jeux de Tokyo s'apaisent et que, par hypothèse, les Japonais retrouvent la flamme olympique. Bruno Duval en ligne de Tokyo. Anne Hidalgo, les Japonais ont perdu la flamme olympique. C'est une crainte pour vous à 1 an de l'échéance ? Non, parce que justement, on a voulu un modèle qui soit aussi sobre, un modèle qui préviennent tous les risques de corruption également. Dans la loi olympique que d'ailleurs Jean Castex avait portée en 2017, nous avons prévu tous les contrôles. Par exemple, le COJO n'était pas en soi soumis juridiquement au contrôle de la Cour des comptes, au contrôle des agences d'anticorruption. Et là, c'est le cas. La loi a prévu que, alors que c'est un organisme privé financé sur fonds privés, nous en sommes, je crois, à 5 contrôles de la Cour des comptes.
qui à chaque fois, bien sûr, fait des remarques sur lesquelles il faut apporter des réponses. Nous avons aussi travaillé avec l'OCDE sur la question de la prévention de la corruption sur des grands événements. Bref, je pense que... Tokyo, c'était un peu l'épouvantail et Paris sera différent. Non, mais en tous les cas, ce n'est pas ce modèle-là que nous avons choisi. Je ne vais pas juger Tokyo, mais le modèle que nous avons choisi était aussi un modèle sobre et prévenant les risques de corruption. Merci Anne Hidalgo d'avoir été avec nous ce matin, maire de Paris. Merci également à Pierre Rondeau, Pierre Brageux et Yann Krasinski qui est resté avec nous pour cette deuxième partie. Après le journal sur RFI, la parole sera aux athlètes. Ils seront quatre autour de ce plateau, champions ou futurs champions olympiques ou paralympiques, qui nous diront comment ils se préparent à cette échéance. Christophe Diremzian du service des sports nous rejoindra également au ponton Gustave des Vedettes de Paris. Et tout cela est à vivre en direct, en vidéo, sur RFI.fr. A tout de suite.
Amar. Je suis la première à garder son titre 2 Olympiades de suite. C'est vraiment super. Et avec ça, le record olympique. Ah ben, elle est dure quand on la croque. Mais voilà, je suis fier, je suis super content. Je l'ai. J'ai tellement rêvé. Vraiment une explosion, beaucoup d'émotions. Une explosion dans la tête, il se passe des millions de choses. Voilà, ils en ont rêvé et ils les ont décrochés, ces médailles. Certains les croquent, même vous venez de l'entendre. Dans l'ordre, Marie-Josée Pérec, double championne olympique du 400 mètres, Teddy Riner et Clarisse Agbenienou, que l'on ne présente plus, sacré champion en judo, et Julien Absalon, deux fois sacré en VTT cross-country, tous les quatre ont connu ce bonheur de monter sur le podium des JO. Cette médaille olympique, c'est l'affaire d'une vie ou au moins d'une bonne tranche de vie. Des entraînements physiques exigeants, des doutes parfois, à un an des JO de Paris. On va entendre ces sportifs sur RFI. Notre édition spéciale se poursuit sur la scène. Nous sommes amarrés au ponton Gustave des Vedettes de Paris et toujours en live vidéo si vous voulez voir nos invités sur RFI.fr et sur vos réseaux sociaux. Christophe Diremzian du service des sports est à mes côtés pour cette deuxième heure. Bonjour Christophe. Bonjour Nathalie. Et vous nous avez réunis à un plateau de choix, quatre invités. Estelle Mosley, bonjour. Bonjour. Championne olympique 2016 de boxe dans la catégorie des moins de 60 kilos. Vous êtes déjà qualifiée pour Paris 2024. Nantenin Keïta, bonjour. Bonjour. Championne paralympique 2016 du 400 mètres. Vous êtes malvoyante, vous avez été co-capitaine de l'équipe de France aux Mondiaux de parathlétisme début juillet à Paris. Bonjour Wilfried Apio. Bonjour. Votre discipline à vous, c'est le 400 mètres haies, vice-champion d'Europe en 2022. Vous étiez demi-finaliste au dernier JO à Tokyo. Et la Benjamine du plateau, Madeleine Narcheron, bonjour. Bonjour. Jeune espoir française du skateboard. Alors, quand vous entendez la joie des anciens, les uns et les autres, qu'est-ce que vous vous dites? Ça sera bientôt mon tour ou au contraire, c'est pas gagné, tout reste à faire? Nantenin Keïta, allez, on se lance, il faut qu'il y en ait un qui commence. La joie, je l'ai déjà connue parce que j'ai été championne paralympique à Rio, donc je sais ce que c'est, mais effectivement je me dis, j'ai envie de revivre ça, et c'est pour ça que j'ai re-signé pour Paris 2024, parce qu'on vit une aventure humaine juste extraordinaire quand on prépare des Jeux olympiques ou paralympiques, et quand on gagne une médaille, ou même quand on ne gagne pas, en tout cas quand on atteint l'objectif qu'on s'est fixé, bah, les émotions qu'on vit sont juste dingues. Se voir déjà dans un an sur la place de la Concorde après un défilé sur les Champs-Élysées, l'antenne 1, on imagine que c'est fou déjà de voir une telle perspective. Oui, c'est sûr, on a eu déjà un petit avant-goût de ce que le public français est capable de nous donner en termes d'émotion lors de la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de para-athlétisme. On sait que sur les Jeux para, ça va être décuplé. On a hâte de vivre ce moment-là et on sait que voilà, la population française sera là et qu'ils vont nous donner des émotions assez importantes. Estelle Mosley, comment vous abordez-vous ce rendez-vous de Paris 2024? Déjà qualifiée, donc on le rappelle, dans votre catégorie? Oui, déjà qualifiée, ce qui me permet de l'aborder sereinement, là, parce que j'ai du temps, j'ai un an pour préparer les choses, pour mettre en place la préparation. J'ai hâte d'y être. Ça va être une grosse préparation, mais je pense que ça va être une belle année où il y aura plein de temps forts d'ici là, entre athlètes, et puis plein de temps forts au sein de notre team aussi en boxe. On est prêt, on a hâte. C'était une décision importante à prendre. La décision a été prise, la qualification est là, il n'y a plus qu'à faire quand le travail. Quand on se lance là-dedans, est-ce qu'il y a des jours où on arrive à ne pas y penser, Wilfried Apio? Je pense que c'est... Tu présentes tout le temps. Ça reste toujours dans un coin de notre tête. Je pense qu'on nous en parle déjà depuis quelques années. Moi, je fais partie de base de la génération Paris 2024, donc, qui a été programmée pour cette échéance-là. J'ai eu la chance quand même de participer à Tokyo parce que ça a été repoussé d'un an. Donc je fais partie peut-être de cette pincée d'athlètes qui voit ça d'une façon positive, le fait que ça a été repoussé. Après voilà, pour une première expérience, vivre ces Jeux Olympiques pendant le Covid, je pense que ça biaise un peu les émotions, ce qu'on pourrait ressentir quand il y a du public. Et là, de savoir que ça va être à la maison, de voir ne serait-ce que l'événement que vous avez fait hier avec notamment Usain Bolt et tout, donc ça donne envie, ouais. Madeleine Larcheron, vous incarnez vous la toute jeune génération, vous avez 17 ans, vous avez déjà participé aux Jeux de Tokyo en 2021 dans des conditions qu'on sait forcément un peu particulières avec le Covid. Évidemment, Paris 2024, c'est une toute autre dimension qui s'offre à vous, c'est devant son public et c'est vraiment quelque chose qui sera totalement différent et déjà riche en émotions. Oui, c'est vrai. Ben,
Tokyo, c'était mes premiers JO, il n'y avait pas de public, mais la course à la qualification était tellement longue, j'ai créé des liens avec les autres skateurs qui ne peuvent plus s'effacer. Et maintenant, en fait, on est une grande famille, du coup, Paris, c'est les retrouvailles. Vous allez concourir en park skateboard, à différencier du street skateboard. Vous pouvez nous expliquer en fait en quoi ça consiste cette discipline, tout simplement? Alors le street, c'est tout ce qui est relié au mobilier urbain, c'est les marches, les rails. Et le bol, c'est tout ce qui est courbe. Et en fait, ça vient des États-Unis quand il y avait une sécheresse en Californie, les piscines qui ont été vidées. Et on appelle ça aussi les poules. D'accord. Et donc, c'est donc dans cette discipline que vous tenterez de vous imposer. Alors, celui qu'on va entendre maintenant, vous le connaissez sans doute. Il a été le premier à ramener une médaille olympique à son pays, le Burkina Faso. C'était le bronze en triple saut à Tokyo. Je veux parler d'Hugues Fabrice Zango, que j'ai joint au téléphone il y a quelques jours. Et il nous dit ce que représente pour lui ces JO de Paris. Alors, aux Jeux olympiques, c'est l'apothéose de ma carrière parce que ça sera certainement mes derniers JO. Parce que vous avez 30 ans. Voilà, c'est exactement ça. Paris 2024, moi, je me suis dit que c'est ma dernière très, très grosse échéance. Et donc, je la prépare pour produire ma plus belle œuvre. Donc, vous visez clairement une médaille d'or. Vous l'aviez dit d'ailleurs déjà à Tokyo en remportant le bronze, que vous étiez un peu déçu et que pour vous, l'objectif, c'était l'or. Tout à fait. J'ai engrangé les résultats qui me laissaient croire que je pouvais avoir une médaille d'or à Tokyo, mais il m'a manqué sérieusement de l'expérience. Cette fois-ci, je pense qu'avec les championnats qui se sont succédés après Tokyo, j'ai pu engranger ce qui me manquait. Et cette année, je suis vraiment très régulier. Et tout ça, ça me conforte à l'idée que je peux effectivement viser une médaille d'or. Et ça, c'est pas de la prétention. On vous sent, Hugues Fabrice Zango, finalement assez tranquille à un an de l'échéance. Est-ce que mentalement aussi, il faut travailler cette confiance. La confiance se travaille bien avant que la performance arrive. Je travaille mon état mental, ma présence, ma conscience, en fait, le jour de la finale. Parce qu'on peut être très vite rattrapé par le fait que, oui, c'est ma dernière grande échéance, il y a plein de trucs. Et donc, il y a des techniques pour switcher rapidement les pensées. Il faut déjà prendre conscience qu'on pense et qu'on a peur et pouvoir clarifier tout ce qui nous fait peur, parce que souvent, consciemment, nous ne savons même pas ce qui nous fait peur, que le subconscient, il est complètement submergé. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ramener toutes nos peurs au niveau conscient, pouvoir les analyser, trouver des parades où chacune de ces peurs, et ensuite... Les chasser de votre esprit. C'est exactement ça. Voilà, chasser les mauvaises pensées, travailler la confiance. Estelle Mosley, vous le faites aussi? Vous avez des techniques comme Hugues Fabrice Zango? Travailler. Travailler, ça permet d'arriver plus serein sur une compétition. Le moment le plus dur, finalement, c'est l'entraînement. On se prépare, on se met dans des conditions difficiles à tout point de vue. On essaie de repousser nos limites à chaque fois et à chaque entraînement et pour pouvoir tout surmonter lorsque la compétition arrive. À un an des JO, on donne tout ou on essaie aussi peut-être de se préserver, de faire attention à pas se blesser, à pas compromettre cette participation? C'est un tout. C'est un tout, on va tout donner. Oui, un an, c'est court, ça va passer vite. On va bien organiser les choses pour arriver prêt le jour J. Et forcément, ça prend tout en compte. Ça prend en compte l'entraînement, la récupération. Et ça se passe au sein d'une équipe. Puisque moi qui fais un sport individuel, malgré tout, on est au sein d'une équipe avec des entraîneurs, des préparateurs physiques, des médecins qui vont nous accompagner jusqu'à l'échéance. Estelle, on rappelle que vous êtes aussi professionnelle depuis 2018. Vous détenez d'ailleurs la ceinture mondiale IBO dans la catégorie. Vous avez donc mené pendant un certain temps un double carrière, professionnelle et amateur. Se replonger maintenant dans l'univers amateur, dans la perspective des Jeux Olympiques, on imagine que ça a nécessité, au moins dans un premier temps, une période d'adaptation, ne serait-ce que pour le format des combats qui n'est pas du tout le même en amateur et en pro. Oui, complètement. Je suis passée professionnelle après les Jeux de 2016. Et on va dire que les 4 premiers mois là ont été très chargés, très intenses, entre un passage entre professionnel et amateur. C'est pour ça que d'obtenir la qualification, ça permet de voir les choses plus sereinement, la suite plus sereinement, avec un passage, un retour chez les professionnels jusqu'à la fin de l'année, avant de me consacrer entièrement au monde olympique d'ici l'année prochaine, puisque ce n'est pas du tout le même format, boxe professionnelle et boxe olympique. Estelle Mosley, vous êtes aussi maman de deux jeunes enfants et c'est la question qu'on peut se poser aussi quand on est concentré comme ça sur un tel objectif que celui des Jeux Olympiques. Il y a une vie à côté, c'est possible ?
C'est possible, la preuve. C'est difficile, mais c'est possible. Je l'ai fait et je pense qu'on ne doit pas sacrifier notre vie à côté justement pour le sport et pour notre passion. Maintenant, ça demande un engagement particulier, une organisation particulière, mais ça se fait. La preuve en est, je le fais et j'ai créé tout un écosystème autour de moi qui me permettra, même avec deux enfants, d'être performante pour les Jeux. Nantena Keita, Wilfried, Madeleine, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus ? Est-ce qu'il y a une vie à part les JO ? Hugues Fabrice Zango, par exemple, va soutenir une thèse au mois d'octobre. Ouais. Voilà, donc c'est effectivement possible. Est-ce que c'est votre cas aussi ? Moi qui côtoie Hugues, notamment à l'INSEP, à l'entraînement, je suis au courant de son double projet. Je crois qu'il fait une thèse en ingénierie et tout. Donc moi qui suis aussi des cours en parallèle à l'école de kiné, je trouve que... Je pense que c'est important. C'est important pour chacun, que ce soit une famille, de fonder une famille ou alors de valider un diplôme ou autre. Je pense que c'est important qu'on évolue à notre rythme et dans ce qui nous passionne le plus. Et je pense que c'est ça qui fait chacun notre force les uns les autres. Madeleine Larcheron et ensuite Nantena Keita là-dessus. Alors moi, je suis encore lycéenne. C'est ça. En septembre, je vais faire ma rentrée. L'objectif. En septembre, je vais faire ma rentrée en terminale. Du coup, j'ai le bac qui arrive. Deux grosses échéances, en fait, l'année prochaine. Tout en même temps. 2024, c'est l'année où tout se passe pour vous. Mais après, j'ai commencé le skate très tôt. Du coup, je suis habituée à... 9-10 ans, c'est ça. 9 ans, ouais. C'est ça. J'ai très vite baigné dans les compétitions. Du coup, je suis plutôt habituée à gérer les deux. Et je trouve que je m'en sors bien pour l'instant. Nantena Keita, vous gérez les deux aussi ? Oui, alors pas une vie de lycéenne. Non, plus tout à fait. Plus tout mais à fait, une effectivement. Une vie quand même. Mais oui, moi je travaille à côté pour un groupe de protection sociale. Donc c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps. Et j'ai aussi pas mal d'engagements associatifs, notamment en Afrique, pour les personnes, pour les enfants atteints d'albinisme. Donc oui, et comme je rejoins un peu mes trois camarades là, c'est important d'avoir quand même quelque chose à côté de notre sport parce que, alors déjà pour certains, le sport ne leur permet pas de vivre. C'est un besoin pratique, absolument, financier voilà, même. Ouais. Voilà, et puis en plus, ça permet aussi de penser à sa reconversion. Oui, peut-être que toi tu vas me dire c'est trop tôt de penser à ma reconversion, mais c'est quand même assez important d'y penser assez tôt. Et puis tout simplement, moi en tout cas, ça me permet aussi d'avoir un équilibre et de matcher mes compétences, en tout cas, que les compétences que j'arrive à acquérir dans le sport, je m'en sers dans ma vie de tous les jours et inversement aussi. Donc voilà. D'où la nécessité d'ailleurs pour tous d'avoir des partenaires à vos côtés qui vous aident financièrement. Il y a également l'Agence nationale du sport qui fait un effort financier qui vous prend en charge une partie de vos revenus. Expliquez-nous quand même un peu comment ça se passe vis-à-vis de cette instance en particulier. C'est pas une aventure tout à fait individuelle. Non. C'est ça qu'il faudrait comprendre. Expliquez-nous, Frédapio. Je ne sais pas si je suis le mieux placé en tout cas pour parler de partenaires ou de l'ANS parce que je suis tout nouveau entre guillemets. Je vous avouerai que j'ai un peu changé de dimension l'année dernière quand j'ai fait 4e au monde et vice-champion d'Europe. Mais en tout cas, pour ma part, je suis plus accompagné sur le plan financier, mais aussi sur tout le quotidien d'un sportif de niveau. Donc que ce soit les médecins, comme disait Estelle, le kiné, plus d'accompagnement sur les à côté, on va dire. Notamment l'école avec l'emploi du temps aménagé. Il y a une grosse partie financière parce que le sport de niveau quand même coûte cher. Je fais du 400 mètres haies, une seule haie, ça vaut entre 300 et 500 euros. Et je ne vous parle même pas du prix de la piste. Donc, c'est des gros moyens, mais il y a les à côté. Et je ne sais pas si... Non, c'est vrai qu'effectivement, l'ANS accompagne les athlètes, notamment les athlètes qui ont un revenu inférieur de 40 000 euros, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et puis après, j'ai envie de dire que c'est individuel, c'est vraiment propre à chacun, en fonction de la situation des uns et des autres. L'avantage, c'est que, en tout cas, l'ANS accompagne de manière individuelle et de manière, on va dire, individualisée aussi, en fonction de la situation de chacun. Et puis après, voilà, il faut réussir à dégoter des partenaires qui vont nous accompagner sur notre préparation, mais aussi bien sur le plan matériel que sur le plan financier ou aussi sur le plan de la reconversion professionnelle.
Avant de retrouver la rédaction pour un point sur l'actualité tout à l'heure, on va prendre la direction de la Seine-et-Marne, si vous le voulez bien, le stade nautique olympique d'Île-de-France. C'est là que les Français s'entraînent au kayak cross, une nouveauté du rendez-vous de Paris 2024, en plus du contre-la-montre. Le principe, c'est que 4 concurrents domptent en même temps les rapides pour une épreuve plus spectaculaire. Écoutez ce reportage de Baptiste Leduc et vous le regardez aussi sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Balayé par le vent et les vagues de son lac artificiel, le stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne voit les kayakistes se préparer pour Paris 2024. En chef de file, Boris Neveu, 2 fois champion du monde de slalom, apprivoise le kayak cross. À 37 ans, la nouvelle discipline ravive sa flamme olympique. Moi, c'est aussi ce qui m'a boosté à repartir après les Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est la première, donc on a tous envie de gagner la première aux Jeux Olympiques. Donc voilà, c'est tout l'enjeu, il sera là dans un an. Le nouveau format de compétition pousse les kayakistes à livrer un combat que même les plus expérimentés découvrent. Il faut se pousser, il faut se débattre de temps en temps, il faut trouver sa place. Et c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude, d'avoir des contacts, d'aller un peu pousser l'autre à la faute. D'habitude, on est vraiment centré sur soi-même. Pour que la France décroche la première médaille d'or de l'histoire du kayak cross, la Fédération française de canoë-kayak mise sur un travail collaboratif entre sportifs et entraîneurs. Son directeur de la performance, Rémi Gaspard, découvre lui aussi la discipline. Ce qu'on fait, c'est une analyse fine de la pratique, une analyse fine de nos concurrents internationaux, parce qu'il n'y a pas 10 années, voire plus, de connaissances et d'expérience. Plus impressionnant et palpitant, le kayak cross doit encore faire grandir la 9e Fédération de France, avec plus de 300 000 licenciés en 2022. Le kayak cross est une discipline jeune parmi un sport qui est plutôt récent. Ce n'est pas le cas du skateboard, Madeleine Archeron, puisque ça ne fera que la 2e fois que la discipline est inscrite au programme des Jeux. On va parler un petit peu de vous. Vous avez donc commencé à l'âge de 9-10 ans. Comment vous en êtes venu précisément au skateboard et ça vous est venu comment? Discipline de loisir au départ? Alors oui, au départ c'était totalement du loisir. J'en faisais sur le trottoir avec mes voisines. Et en fait, j'ai voulu faire un peu plus que juste faire des allers-retours. Et à l'époque, je faisais de la gym. Et il y a un skatepark qui s'est construit à côté de mon école de gym et je me suis allée banco. Je veux essayer de faire plus. Et ça a été le coup de foudre tous les jours, 7 heures sur le skatepark. Je passais la journée là. Et me voilà ici aujourd'hui. Il faut un tempérament de casse-cou pour faire du skateboard ou non finalement? Alors pas forcément casse-cou. Ne pas prendre de risques évidemment. Mais... Pas forcément casse-cou, mais faut être déterminé et être persévérant. Faut pas avoir peur de passer toute une journée à tomber et de rentrer chez soi et de pas avoir mis la figure. Alors on imagine que Paris 2024, ça va être une autre dimension pour vous. Ces jeux-là, vous les préparez évidemment parce que vous n'êtes pas encore qualifié formellement. Il y a tout un circuit à effectuer, il faut obtenir des points et ce sera le classement final en juin 2024, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises, qui déterminera le nombre de participants, sachant qu'il y a en tout, sur toutes les disciplines, il y a 88 participants, 22 chez les hommes, 22 chez les hommes en skate, pareil en parc. Ouais. Il y a un circuit et on imagine que c'est parfois un petit peu compliqué, ne serait-ce qu'avec la Fédération de skateboard de temps en temps. Bon, c'est pas toujours très clair. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. C'est un peu un parcours du combattant. Oui. Pour l'instant, les qualifications se passent très bien pour moi. Je suis bien classée dans le classement international. Mais j'attends des nouvelles de ma fédération parce qu'ils ont décidé de m'écarter des prochaines compétitions, de ne pas me sélectionner pour des raisons inconnues. Et j'espère que ça va bien se passer et bien se finir. Mais ces raisons sont inconnues pour l'instant. On espère que ça rentrera dans l'ordre. Donc le skateboard, je voudrais peut-être vous entendre, Nantena Keita, sur ces nouvelles disciplines. Quand on fait partie, comme vous, ou comme Estelle Mosley, ou comme Wilfried Apiaud, des classiques, comment est-ce qu'on regarde ces disciplines qui sont aussi présentes et qui font aussi le charme des Jeux Olympiques? On est content de voir arriver de nouvelles disciplines, même si c'est au détriment de disciplines qui quittent l'aventure, entre guillemets. Et puis, ça permet aussi de voir arriver des jeunes athlètes. Là, on le voit avec une lycéenne. Et c'est une nouvelle aventure. C'est aussi d'autres manières de penser le sport et d'autres valeurs aussi qui arrivent. Donc on les accueille avec plaisir. Et puis, ça donne une autre dimension au jeu. On va marquer une pause, 5 minutes pour aller prendre des nouvelles de l'actualité de ce mercredi 26 juillet. Et non, il n'y a pas que les Jeux Olympiques. On va se retrouver pour la suite avec au programme Taekwondo à Abidjan, Judo à N'Djamena. Témoignage aussi d'un membre de l'équipe des réfugiés d'Orion. Quel était là que vous avez rencontré, Christophe? A tout de suite sur RFI et en images sur RFI.fr.
Un an avant Paris 2024. Nathalie Amar. Nous sommes toujours en direct et en live sur la scène, live vidéo sur RFI.fr, Facebook, YouTube, Twitter. Édition spéciale jusqu'à 10h avec nos invités Estelle Mosley, championne olympique 2016 de boxe, Nantena Keita, championne paralympique 2016 du 400 mètres, Wilfried Apio, vice-champion d'Europe du 400 mètres haies, et Madeleine Larcheron, espoir français du skateboard. D'ici 10h, on continue de regarder évidemment vers 2024 ces Jeux olympiques de Paris. Qui comprendront des épreuves de taekwondo. Figurez-vous que cette discipline fait des adeptes, beaucoup d'adeptes en Côte d'Ivoire. Pourquoi ? Eh bien, ça tient en un nom, Ruth Bagby, 29 ans, double médaillée olympique de la discipline, double championne du monde, sextuple championne d'Afrique, médaillée d'or des Jeux africains. Je m'arrête. Et cela inspire les jeunes Ivoiriens. Reportage François-Hume Ferkataji. C'est sous ce préau de l'école primaire La Source que la double médaillée olympique et championne du monde, Ruth Bagby, a lancé ses premiers coups de pied. À gauche, à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Yasmine Volilou, en kimono blanc, organise les combats des plus petits. Les succès de Ruth Bagby lui ont fait découvrir le taekwondo. Elle inspire vraiment beaucoup de jeunes femmes. Dans mon quartier, quand j'arrive et que je parle de la championne du monde de taekwondo, Bagby Ruth, les femmes sont vraiment émerveillées. Elles ont envie aussi d'essayer de se lancer. Quoi. Voilà. Le premier entraîneur de la championne, Georges Mézy, ceinture noire 5e dan, veille toujours sur les 250 licenciés du club. Un chiffre qui a explosé depuis les médailles de bronze en 2016 à Rio, puis en 2020 à Tokyo de Ruth Bagby. Mais pour cette expansion générale qu'on connaît de nos jours, je la dois aussi à la performance de nos Olympiens. C'est Cheikh Salah, Bagby Ruth, aux côtés de qui aussi d'autres champions de renom de la Côte d'Ivoire ont côtoyé. Certes, ils n'ont pas eu la même percée qu'on a aujourd'hui, Cissé Cheikh et puis Bagby Ruth, mais ils ont donné aussi un élan particulier quand même à cet essor du taekwondo en Côte d'Ivoire. Le taekwondo est arrivé en Côte d'Ivoire en 1968 par le biais du grand maître sud-coréen Kim Yung-tae. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte plus de 200 clubs répartis dans tout le pays. François-Yves Ferkataji, Abidjan, RFI. Estelle Mosley, qui ont été vos modèles à vous? On voit là que ces jeunes adeptes du taekwondo rêvent parce que Ruth Bagby les a inspirés. Qui ont été vos modèles à vous? J'ai pas forcément eu de modèle. En plus, je viens pas du tout même d'une famille de boxeurs ou quoi que ce soit. Bon, on a forcément des inspirations quand même. Hein. Mohamed Ali m'inspire forcément, par exemple. Mais c'est vraiment l'envie, la volonté et le fait d'avoir accroché à ce sport qui m'a permis de rester dedans et de progresser et d'avoir des ambitions encore plus poussées. Et on voit effectivement le rayonnement que peut avoir une discipline olympique sur la pratique du sport aussi au quotidien. Nantena Keita, on va parler maintenant des Jeux paralympiques. Il y a eu une sorte de répétition générale, grandeur nature, il y a quelques jours à peine, les mondiaux de para-athlétisme à Charletti. Le bilan de l'équipe de France, ça n'a pas été, on va dire, totalement à la hauteur des attentes. Il y a eu beaucoup de cinquième place notamment, parce que l'équipe est un petit peu jeune. Vous, le bilan que vous en faites globalement de ces mondiaux, ce serait quoi? Alors oui, je pense qu'effectivement, on aurait aimé tous avoir plus de quotas, puisque les quotas des places, en tout cas, ouvertes pour les Jeux paralympiques, on aurait aimé en avoir plus, on aurait aimé effectivement avoir plus de médailles, ça c'est sûr et certain. Après, le constat que moi j'en fais, au-delà de la performance, on va dire, pure, chronométrique ou de mètres, c'est vraiment un état d'esprit que j'ai apprécié de toute l'équipe, un état d'esprit où même si ça s'est
Ça, c'est pas ressenti, on va dire, en termes de médailles, mais un état d'esprit quand même assez conquérant. Un état d'esprit aussi où on s'est dit, bah, on vient aussi prendre des informations pour justement ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a pu reproduire cette année, l'année prochaine au jeu. Et puis aussi la constitution d'une vraie équipe d'athlétisme, parce que tout à l'heure, Estelle le disait, la boxe, l'athlé, c'est des sports individuels, mais sans un accompagnement, sans un staff, sans une vraie dynamique de groupe, eh bien, on va moins vite, on va moins loin. Donc voilà, on a créé des choses qui ne sont pas encore mesurables, en tout cas, mais qui vont nous servir grandement pour l'année prochaine. Le stade Charletti n'a pas été totalement plein pendant les 10 jours. Il y avait des places payantes, ce qui est une bonne chose. Pour la première fois, les places étaient payantes. Les gens devaient venir payer pour voir quelque chose, mais pas gratuitement comme c'était l'habitude. On est quand même loin d'un taux de remplissage suffisant. Est-ce qu'il y a donc du coup des efforts de communication à faire pour, en vue de l'année prochaine, faire en sorte que le para-athlétisme et le paralympisme en général soient beaucoup mieux médiatisés? Alors, suffisant, tout est relatif. Hein. Ça, c'est chacun qui met son curseur là où il veut. Sur la totalité des championnats du monde de para-athlétisme, il y a eu plus de 100 000 spectateurs, effectivement, sur des places payantes. Et moi, personnellement, je préfère qu'il y ait un stade un peu moins plein, mais que les personnes qui sont là viennent voir de la performance, viennent rencontrer des athlètes français et étrangers, plutôt que d'avoir un stade plein avec des personnes qui sont là juste pour être là. Là, les spectateurs qui étaient là, il y avait vraiment de l'engouement autour des sportifs français, autour du parasport, autour des disciplines qui vont être encore plus médiatisées effectivement l'année prochaine. Alors oui, il y a encore un besoin de communication, un besoin peut-être de clarification aussi de certaines épreuves, de certaines catégories de handicap. Mais j'ai confiance au public français, j'ai confiance aux amoureux du sport. Je me dis aussi que les médias vont faire le travail pour que justement on parle de plus en plus des parasports. Et puis les Jeux, c'est une compétition qui est quand même différente d'un championnat du monde. Donc je suis sûre et certaine qu'il y aura plus de monde l'année prochaine qu'il y en a eu cette année. Antena Keita, vous allez bientôt devoir nous quitter. Oui. Une question importante quand même à propos de ces mondiaux de parathlétisme. C'était aussi une répétition générale en ce qui concerne l'accessibilité, les transports, les logements. Quelles ont été vos impressions à un an, un peu plus d'un an maintenant, des Paralympiques? Alors, comme je disais avant l'émission, moi, je ne suis pas la spécialiste de l'accessibilité. De l'accessibilité. Voilà. Mais ce que je peux dire, c'est que... Est-ce que, par exemple, les expériences d'audio-description ont été concluantes? Ça a été un test de ces mondiaux? Ouais. Alors, moi, en tout cas, pour ma part, en tant que déficiente visuelle, c'est vrai que j'ai pu suivre les épreuves grâce à l'audio-description. Et oui, ça fonctionnait très bien. En plus, souvent, on était en avance par rapport à la télé. Donc, on avait cet avantage là par rapport à ceux qui voyaient, mais oui, il y a pas mal d'efforts qui sont faits autour de l'accessibilité. Sûrement que tout ne sera pas parfait, là-dessus il faut aussi être honnête, mais en tout cas l'effort, et on sait ce qu'on a à faire en tout cas pour évoluer sur ce champ là on fera le, quand je dis on, c'est pas moi, hein, mais voilà, les choses seront faites pour qu'il y ait un maximum de personnes en tout cas qui puissent suivre, se rendre sur les stades, et voilà. Vous sentez qu'au niveau du sport mondial, l'intégration des para-athlètes se fait petit à petit? Oui, ça se fait. Indépendamment de la médiatisation du public, est-ce qu'au niveau vraiment des instances qui dirigent le sport mondial, on a avancé sur cette question? Alors oui, je pense qu'on a réellement avancé sur le plan de l'inclusion, en tout cas des parasports. Dans l'univers médiatique, dans l'univers, on va dire, pardon, sportif, parce que déjà, on ne peut plus faire sans. Aujourd'hui, les performances des athlètes paralympiques sont tout simplement de la performance. Voilà. On met un petit peu de côté le sport, on va dire, uniquement santé. Là, on parle vraiment de sport et de performance. Et puis, on ramène aussi des médailles. On a notre... On participe vraiment à faire rayonner nos pays dans le mouvement sportif. Donc oui, il y a de l'évolution. Il y a encore du chemin à faire, clairement. Mais j'ai envie de dire que le chemin que Paris 2024 a fait en créant une équipe de France unifiée va, je pense, donner des idées à d'autres pays pour que justement on parle de sport
paralympique, olympique, et qu'on, plus qu'on parle juste de y a les paralympiques d'un côté et les olympiques de l'autre. Alors on précise d'ailleurs que le Club France l'année prochaine, ce sera le Club France olympique et paralympique au même endroit, à l'Halle de la Villette. Voilà. Merci Nantaine Inquiéta, on va vous laisser filer vers votre deuxième vie puisqu'elle existe, vous nous l'aviez dit tout à l'heure. Merci infiniment d'avoir participé à cette émission. On reste ensemble évidemment jusqu'à 10h sur RFI. On va prendre la direction du Tchad où plusieurs judokas espèrent décrocher leur billet pour Paris 2024. Karine Garlemdana en fait partie. Elle était déjà présente au JO de Londres en 2012. Notre correspondant N'Djamena, Olivier Monodji, a assisté à une de ses séances d'entraînement. Allez Anna, à toi. Fin des journées au dojo du 7e arrondissement de N'Djamena. Une trentaine de judokas transpirent dans leur kimono en répétant leur gamme. Les compétitions qualificatives pour Paris 2024 sont dans tous les esprits. Karine Garlemdana, la plus célèbre des judokas tchadiens, espère empocher un ticket dans la catégorie des moins de 70 kilos. Déjà, je m'entraîne pratiquement tous les jours. Les jeux, ce n'est pas facile pour se faire qualifier d'abord. Hein. En plus de ça, il faut aussi se fixer les objectifs pour les atteindre. Je dois d'abord me faire une place pour les jeux, c'est-à-dire me positionner, gagner 2, 3, 4 combats, pourquoi pas, et espérer une médaille au final. Les conditions d'entraînement ne sont pas les meilleures. Et Djarma Ouidou, un des entraîneurs de la Fédération tchadienne de judo, déplore le retard pris par rapport à d'autres pays. Il s'est dit toutefois confiant pour sa championne. Nous avons également fait des programmes aux athlètes qui doivent aller pour les Jeux olympiques, sauf que nous sommes un peu en retard par rapport aux autres pays. Si un judoka ou deux judokas tchadiens arrivent à se faire qualifier, ils vont s'exprimer pendant les JO. D'autres athlètes tchadiens préparent aussi leur qualification au pays, notamment pour le taekwondo, le tir à l'arc ou la lutte. Olivier Monodji, N'Djamena, RFI. Alors que ce soit pour le taekwondo ou la boxe, Estelle Mosley, évidemment, les athlètes africains ont besoin d'aide et de soutien. Récemment d'ailleurs, vous avez apporté votre part à cet effort puisque vous étiez au Sénégal pour un stage de boxe. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé, quel était le but de l'opération. Oui, alors j'étais au Sénégal, c'est une volonté que j'avais depuis longtemps d'apporter un peu ma touche sur le continent africain. Il s'agissait de faire un stage de boxe international, puisque je trouve que c'est beaucoup ce qui manque en Afrique, des échanges entre les pays. Donc là, c'était deux équipes, l'équipe marocaine et l'équipe sénégalaise féminine qui sont entraînées ensemble un temps aussi sur lequel on a pu faire des échanges beaucoup liés à la femme, aux problématiques qu'on peut rencontrer à côté du sport. Donc, de temps sur cette semaine de stage, des temps de parole en matinée, des temps d'entraînement en après-midi. Et c'est vraiment ce qui manque. C'est quelque chose que j'ai envie de reproduire tous les ans. On a une échéance à Dakar, puisqu'on a les Jeux de la Jeunesse en 2026 qui sont là. Donc je pense qu'il faut se servir de chaque événement comme un élan pour faire quelque chose. Et si je peux apporter ma touche par mes connaissances et par mon expérience dans le sport, dans la boxe et plus précisément dans la boxe féminine, c'est quelque chose que je ferai. Vous avez la même ambition pardon, en RDC, qui est le pays de votre papa. Vous avez la même envie effectivement de développer la pratique. Complètement. J'ai l'envie de développer ce que je peux développer partout où j'irai. C'est quelque chose que je fais constamment, que je sois en vacances ou pas. Je fais en sorte d'avoir toujours un temps sportif où je peux soit amener du matériel, soit mettre en place quelque chose. Parce que si l'effort ne vient pas de nous, athlètes, qui avons l'expérience, qui connaissons les contraintes du sport de haut niveau, je ne sais pas de qui elle peut venir. Donc je pense que c'est important en tant qu'athlète de contribuer à l'évolution de son sport. Est-ce que vous avez eu l'impression lors de votre passage au Sénégal ou quand vous allez à d'autres occasions en Afrique que cette échéance de Paris 2024 intéresse là-bas ou c'est encore lointain et pas vraiment un sujet ? C'est quelque chose qui intéresse, mais je constate quand même que on est parfois quand même loin du sport de haut niveau. On dit qu'il y a des équipes nationales. Et oui, c'est vrai, il y a des équipes nationales. Mais par exemple, pour l'équipe féminine sénégalaise, il y a des athlètes qui ont commencé la boxe peut-être il y a un an. Il y en a qui ont à peine un ou deux combats. Quand je suis arrivée à Rio, j'avais quasiment 120 combats à mon actif. Donc,
ça crée énormément d'écart et dans la réalité, c'est pas vraiment du sport de haut niveau. Donc oui, ils entendent parler des Jeux de Paris 2024, mais dans les faits, ils en sont encore très loin. C'est pour ça qu'il faut continuer à travailler, il faut les apporter tout ce qu'on peut leur apporter et les partages d'expériences sont aussi importants pour ça. Travailler le terrain, donc continuer de travailler le terrain. RFI Matin. Émission spéciale, un an avant les Jeux Olympiques de Paris. Nous sommes toujours en direct du ponton Gustave, au pied de la Tour Eiffel, au bord de la Seine que vous voyez sans doute derrière nous si vous nous suivez en live vidéo sur RFI.fr ou sur les réseaux sociaux. Christophe Diremzian, je voudrais qu'on évoque avec vous une équipe qui sera présente l'an prochain à Paris, celle des réfugiés. Ça sera sa troisième participation de suite à des JO. C'est une initiative qui avait été lancée en 2016 pour le rendez-vous de Rio. Quelle était l'idée à ce moment-là ? Au départ, c'était à l'initiative de l'Assemblée générale des Nations Unies en octobre 2015 qui avait dressé un état d'urgence de la situation des personnes réfugiées et des populations déplacées dans le monde. Thomas Barr, le président du CIO, a donc pris l'initiative d'essayer de rassembler une partie de ces réfugiés dans une équipe spécifique, hors de toute frontière. 2016 a été la première édition. Il n'y avait que 10 athlètes qui avaient été présents à l'époque. Ils étaient originaires d'Éthiopie, du Soudan du Sud, de RDC, mais également de Syrie. 2021 à Tokyo a été une deuxième édition un peu plus étoffée avec 29 athlètes qui ont représenté 12 sports différents. Désormais, font partie du programme des réfugiés, parce que maintenant c'est désormais sous la bannière d'une fondation olympique des réfugiés. Ils sont actuellement 53 sportifs. On ne sait pas encore combien feront partie de l'équipe olympique des réfugiés. C'est ça, parce qu'il y a des sélections. Évidemment, on n'est pas qualifié d'office dans cette équipe. Non, il faut des critères sportifs. On n'est pas là pour faire uniquement la représentation, même si effectivement la symbolique est importante. Une sélection qui s'effectuera vraisemblablement dans le courant de premier semestre 2024. Et effectivement, déjà des athlètes repérés qui bénéficient de financement sont déjà prêts à se préparer. Et on va écouter l'un d'entre eux, il s'appelle Dorian Kelletela, il a 24 ans, originaire du Congo-Brazzaville, spécialiste du 100 mètres. Vous l'avez rencontré, Christophe, il vous raconte son parcours, ses ambitions et les difficultés aussi de son statut de réfugié. Je suis réfugié par les circonstances, tout ce qui s'est passé dans mon pays, les guerres, les problèmes politiques m'ont poussé à demander l'asile et à être un athlète réfugié. Vous avez déjà participé aux Jeux Olympiques à Tokyo, quels sont les souvenirs que vous en avez gardés ? Tokyo, ça a été quelque chose de grand pour moi. Les Jeux Olympiques, c'est la meilleure des compétitions qui existent dans le monde. Mais j'ai appris. Aujourd'hui, j'ai grandi. Et pour moi, Paris, ça ne sera juste pas de participer. Pour moi, Paris, ça sera de courir au niveau des meilleurs. Et vraiment, je veux tout donner pour essayer d'atteindre la finale des 100 mètres. Qu'est-ce que ça fait de représenter une communauté de réfugiés qui est plus importante que la communauté d'un pays ? Pour moi, représenter les réfugiés, c'est quelque chose de grand parce que je représente 100 millions de personnes qui ont fui les problèmes à travers le monde et pouvoir les inspirer que tout est possible dans la vie si tu y crois et si tu y mets les moyens. Pourquoi vous avez choisi l'athlétisme ? J'ai choisi l'athlétisme parce que j'aime ce sport. C'est à travers Usain Bolt quand je regardais la télévision. Et pour moi, courir, c'est quelque chose qui te procure la liberté. Pour moi, courir, c'est synonyme de liberté. De quoi est-ce que vous vivez en France désormais ? Vous êtes aidé financièrement ? Pour le moment, je suis aidé par le comité olympique français, par le programme mis en place par le CIO, pouvoir s'entraîner dans des conditions normales et pouvoir accéder au très haut niveau à travers une bourse olympique de 1 500 $ chaque mois pour nous permettre de faire des compétitions et pour nous permettre de nous soigner parce qu'en athlétisme, la récupération, c'est les athlètes qui payent. Donc avec l'aide de nos clubs, ça nous arrange à bien nous préparer pour les séances à venir. Dorian, quel est le message que vous souhaitez transmettre aux athlètes qu'on peut s'en sortir malgré tout avec de la volonté et un petit peu d'aide ? On peut se sentir avec de la volonté et un petit peu d'aide, mais le plus important, c'est d'abord de croire en soi et de se donner les moyens, ne pas attendre quelque chose de gratuit, parce que rien n'est gratuit dans la vie. Il faut se battre pour obtenir quelque chose. Donc, je dis à tous les athlètes, à tous les réfugiés du monde entier, de continuer de se battre. Tout cela vient en faisant des sacrifices et tout est possible si vraiment tu y crois. Parce que je me rappelle l'année passée à Tokyo, sur 100 mètres, Marcel Jacobs, personne ne l'attendait à une victoire, mais tellement il a cru en lui, il a fait. Donc, aujourd'hui, si vraiment tu y crois, tu y mets les moyens, tout est possible dans la vie parce que
que la vie n'est pas facile. Voilà, Dorian Kelletela, donc originaire du Congo Brazza et spécialiste du 100 mètres. Wilfried Apio, qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous venez d'entendre, ce double combat pour la vie et pour, la médaille et pour la qualification en l'occurrence? Déjà, c'est beau franchement, c'est bien que je ne partage pas sa vie, je peux en tout cas l'imaginer et de savoir que voilà, on a ce genre de d'hommes ou de femmes, j'imagine, qui se battent pour voilà s'en sortir déjà et de faire ce qu'ils aiment. Je trouve ça d'autant plus beau et quand il dit voilà, il court parce qu'il se sent libre, il est déterminé et qu'il encourage les autres à poursuivre un peu leurs rêves, j'ai un peu le même discours, donc je partage totalement ses émotions et je trouve ça beau en fait. Estelle Mosley ? C'est ce qu'est le sport, c'est le reflet un peu de ce que doit être le sport le plus inclusif possible. Et c'est bien qu'il y ait cette équipe qui a été créée. Ça donne la possibilité à chacun de pouvoir défendre ses chances dans le sport. Et dans une discipline, par exemple, où peut-être sur les 20 meilleurs, on n'aurait que des Européens, on laisse toujours des quotas pour les continents où il est plus dur de se qualifier. Et c'est important. Madeleine Larcheron, ça vous semble peut-être très loin, tout ça ? Vous avez quand même un mot à nous dire, ça vous... Déjà, c'est un message puissant qui donne à tout le monde. Et après, dans le skate, je sais que cette année, pour aller au JO, faut être dans le top 22 et qu'il y a des places qui sont gardées pour certains skateurs du continent, par exemple africains, qui ne peuvent pas se déplacer sur les compètes. C'est ce qu'on appelle l'universalité. Voilà, c'est une place réservée à des athlètes qui n'ont pas forcément le niveau. En ce moment, il y a des skateurs du continent africain qui mettent des stories tous les jours parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer sur les compétitions. Mais pour autant, ils arrivent à en faire une pour être dans le classement et peut-être pouvoir accéder à une qualification. Et on fait de la place donc aussi pour ces sportifs-là. En tout cas, Dorian, qu'elle était là, y croit. On va réécouter Hugues-Fabrice Zongo avant de se quitter, médaillé de bronze en triple saut. On a entendu tout à l'heure que lui y croit vraiment à sa médaille d'or à Paris. Et il y croit d'autant plus que ça va se passer à la maison. On l'écoute. Moi, je dis que les JO se passent chez moi, en fait. Parce que j'ai construit toute ma carrière de haut niveau en France. Donc, je connais tous les stades de la France. Et pour moi, c'est comme si ça se passait à la maison. Et donc, c'est une ferveur particulière. Et j'ai beaucoup, beaucoup de fans à Paris. Ici, à chaque fois que je saute là pour la Diamond League, pour d'autres compétitions, j'ai un soutien vraiment très, très fort. Et pour moi, c'est une émotion que je ne saurais expliquer. C'est pas le public burkinabé, mais c'est comme... Donc cette médaille d'or que vous nous promettez, elle sera un tout petit peu française aussi ? Elle est 100% française et 100% burkinabé. Voilà, Hugues-Fabrice Zongo qui fait des mathématiques avec nous. Une médaille à 200%, 300% même si on compte le continent africain. Christophe ? J'aimerais poser une question à chacun d'entre vous. Maintenant, on est ici sur la scène, le pont d'Iéna à côté, la cérémonie d'ouverture l'année prochaine. Moment de féerie, à n'en pas douter. Estelle, vous savez que vous y serez déjà. Comment vous l'imaginez, cette cérémonie qu'on sait déjà féerique et hors norme ? Ce sera une belle cérémonie, je pense, pleine d'émotions. Et avec tout le public français, donc ça donne une autre dimension. Hein. Moi, j'ai fait les Jeux à Rio et on était loin de la maison. Et on entendait ce qui se passait en France, mais on n'était pas présent et c'était plus difficile. Et là, on sera vraiment au cœur de la fête, au cœur de notre public. Et je pense que ça va être une très belle cérémonie. Madeleine ? Vous n'êtes pas encore qualifié. On va faire comme si vous étiez qualifié. Vous y êtes. Là, vous êtes avec les membres de l'équipe de France sur le paquebot, puisque ce sera le nom du bateau qui, effectivement, fera naviguer les athlètes l'année prochaine. Ça va être sera ma première cérémonie d'ouverture, parce qu'à Tokyo, je suis arrivée après, parce que ma compète était en plein milieu de la semaine, enfin, de toutes les semaines olympiques. Du coup, j'ai eu ni... ouverture, vous avez été privée de ce grand moment. Ce sera ma première et je vais l'apprécier, j'espère. Là, vous pourrez, parce que le parc, c'est le 6 et le 7 août 2024. Donc, vous aurez largement le temps. Le street, c'est un tout petit peu avant. Wilfried, même question. On est dans un cadre magnifique ici, sur les bords de Seine. Comment vous imaginez les choses Féerique. Féerique.
rempli d'émotions et un peu comme Madeleine, moi qui n'ai pas vécu la cérémonie d'ouverture à Tokyo parce qu'il y avait le Covid, donc il y avait un collectif restreint en tout cas pour défiler. Je pense que là, voilà, ça va nous booster avant nos échéances tous les uns des autres et je pense qu'on aura bien besoin pour briller chez nous et voilà, la capitale, moi j'y ai toujours grandi, donc c'est d'autant plus d'émotions que je vais ressentir là-bas. Merci à tous les trois, Wilfried, Apio, Madeleine Larcheron, merci. Estelle Mosley, d'avoir participé à cette émission. Cette édition spéciale touche à sa fin. Merci à Christophe Diremzian, Benoît Vandenbroek, Boris Vichit à la technique, avec Denis Chastel, Cyril Etienne, Romain Ferré pour la vidéo et Latifa Mouawed qui vous a offert quelques morceaux choisis sur les réseaux sociaux. J'en oublie sans doute, à la rédaction en chef Patrick Adam. Merci à la cellule invitée, Naja Daguerre qui la représente ce matin. Et on n'oublie pas les vedettes de Paris pour leur accueil. Ces JO, vous les vivrez évidemment sur RFI et RFI.fr l'an prochain, puisque votre radio sera le diffuseur, l'un des diffuseurs officiels sur l'Afrique, l'Europe et la France. Cette journée spéciale se poursuit. Grand reportage notamment consacré au rêve olympique des athlètes. Bonne journée à l'écoute d'RFI. Couleur tropicale, Claudiciard. Le show afro de la radio.